Donc le 41 tout d'abord. Pas d'erreur, il s'agit bien du 41, il n'est pas avec sa mère. Et pourquoi? C'est parce qu'il a déjà été sevré. Et pourquoi a-t-il été sevré? Tout simplement parce qu'il est né, elle est née, pardon, c'est une femelle. Donc il était grand temps d'être sevré. Ça fait 7 mois. Donc c'est les écuries des Spigaou qui nous proposent cette fille de caractère. Elle s'appelle La Carita Spigaou, présentée par Madame Sambardier, qui nous vient de la Saône-et-Loire à Caillon. Vieille souche. Alors, vieille souche Lagardère, puisqu'on va retrouver Massa Tixa, la quatrième mère, et Miss Satin. Miss Satin, c'était du Lagardère, puisqu'elle a notamment produit Miss Satin Mixa. Jacques Lemarois. Ce qui est amusant, c'est que dans cette famille, quand on la redescend, qui est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va trouver l'actuel meilleur mailer d'Europe, c'est-à-dire Palaspire, qui vient de s'imposer pour la deuxième fois dans le prix Jacques Lemarois sur l'hippodrome de Dôme. Voilà bien loin de l'obstacle. Encore d'autant plus que la mère, la Pepita, est une fille de Pedro Zegri. Regretté, défunt Pedro Zegri, qui est un fameux améliorateur. La grand-mère aussi par American Post. Et on a croisé un caractère. C'est une origine de plat, donc il n'y a rien, évidemment, n'empêche qu'elle saute. Cela ne dépendra que d'elle, de son tempérament et de son équilibre naturel. Le numéro 41, La Carita Spigaou, présentée par les écuries des Spigaou, est née le 11 février.